Pareil, c'était juste pour confirmer notre rendez-vous tout à l'heure. Ça va bien. J'ai presque plus peur de mes voisins qui m'espionnent. Donc à tout à l'heure. Enfin, voilà. Si personne m'a assassiné d'ici là ou kidnappé. Oui, bonjour, c'est Fabrice Canivet. Je suis au bureau là. Je vais aller être sur les falaises et me jeter dans l'eau. C'est Madame Gagné. Je voulais juste savoir s'il faut prendre deux comprimés pendant 15 jours ou 15 pendant 2 jours. Est-ce que j'en ai pris? Bonjour, c'est Fabrice Ganivet. J'ai raté mon train pour être tard. Jeudi, comme prévu. Allô, oui, bonjour monsieur, c'est le pressing en face. Oui, c'était pour vous dire que votre costume ne sera pas disponible avant jeudi, fin de journée. Oh non, merde, non! Bonjour. Vous avez vu qu'il y a une coupure d'eau la semaine prochaine? Pardon? Mardi. Et vous coupez entre 11h et midi. Ah, merci. C'est marqué en bas. Merci. Bah, notez-le. Oui. Asseyez-vous. Alors, par quel biais êtes-vous arrivé jusqu'à moi? Médecin traitant, annuaire, recommandation? Pas très lumineux, hein? C'est les deuxièmes étages, ça. Il est bien le pressing en face? Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur? Bah, déjà, me dire si le pressing est bien en face. Vous avez jamais installé un costume? Même sans faire exprès? Il est bien. Alors, c'est là que le client s'allonge. Le patient. Et oui, s'il veut, mais il peut aussi rester assis ou bien s'asseoir au bureau. Enfin, l'essentiel étant qu'il se sente en confiance pour pouvoir formuler les raisons de sa venue. C'est là qu'il vous raconte ses petites histoires. Petite, qu'est-ce qui vous amène? Vous êtes locataire ou vous avez acheté? C'est un ancien appart d'habitation ici, non? Il y a une cuisine. Pourquoi cette question? C'est votre voiture, la vert foncé en bas. C'est le modèle hybride. Qu'est-ce qui vous fait penser que c'est ma voiture? Je sais pas, ça fait voiture de psy. Voiture de psy. Le côté moitié électrique, moitié essence, pas franc du collier, focus, je sais pas. C'est pas donné une voiture comme ça. Remarquez, vous faites beaucoup de blagues. Comme beaucoup de mes confrères, je suis payé en espèces. Oui, ça permet aux patients d'évaluer le prix qu'il est prêt à donner pour le temps qu'il s'accorde. Tout en liquide, comme les dealers. Et le coffre, là, c'est pour mettre le cash? Ça, c'est une antiquité pour décorer, ranger des papiers. Je vous écoute. Le truc avec le black, c'est qu'il faut quand même en déclarer un petit peu. Hein. Faut pas non plus les prendre pour des cons, les mecs du fisc. Et vous faites quoi comme métier? Je bosse pas au fisc, rassurez-vous. D'ailleurs, je m'en fous de votre baraque à la campagne. Qui vous dit que j'ai une maison à la campagne? Oh, les Parisiens, dès qu'ils ont un peu de pognon, ils achètent une baraque à la campagne. Bon, alors je vous serais reconnaissant de bien vouloir en venir à votre cas parce que j'ai d'autres patients. Hein? Ah, pas beaucoup. J'ai pas eu de mal à avoir un rendez-vous. Hein. Oui, le mardi, c'est calme. Hein? Le mercredi et le jeudi aussi, visiblement. Pourquoi ça marche pas? C'est pas mal situé, pourtant. Bon, ben, on va considérer que la séance est close, hein, et je vous propose de revenir vers moi quand vous sentirez réellement le besoin de vous engager dans un processus thérapeutique. Hein. Allez. Ma femme est partie. Ah ben, c'est bien, ça. Je veux dire, c'est quelque chose sur quoi on peut travailler. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça? La tristesse. Du dégoût. De la colère. 8 ans qu'on était ensemble. Et d'un coup fini, elle me plaque. Je me demande comment je vais vivre sans elle. D'ailleurs, je sais même pas si j'en ai envie. Encore si c'est elle qui avait pris la décision toute seule. Je pourrais éventuellement l'accepter. Mais qui aurait pris la décision si ce n'était... Une espèce de beau parleur qui l'a manipulé. Il lui a fait un genre de lavage de cerveau pour qu'elle m'aime plus. Vous lui accordez... beaucoup de pouvoir à ce beau parleur. Celui de foutre ma vie en l'air, ouais. Au début, je me rendais pas compte. Trop gentil, trop con. Elle le voyait une fois par semaine. Je
me disais que ça pouvait pas lui faire de mal. Ah oui, vous êtes très ouvert. Pas trop, non. Mais après tout, si ça peut aider. C'est vrai que pendant un temps, elle était plus détendue. Elle disait que ça lui remettait les choses en place à l'intérieur. Enfin, c'est dur de vous dire les choses comme ça, non? Mais je m'en foutais, je pensais pas que ça durerait, qu'elle y prendrait goût. Et ben ça fait 2 ans qu'elle le voit et résultat, elle se barre. Qu'est-ce que vous ressentez, mais... par rapport à lui, cette fois? Une grosse envie de lui faire péter une grenade dans la gueule. Ah oui. Radical, hein? Quand je pense qu'en plus, j'ai payé pour qu'elle me quitte. Payé. Développer, payer. Ben, payer, du verbe payer. Je lui donnais de l'argent. De l'argent. Et sans ça, il aurait jamais prise. Il fait pas ça gratos, le gars. Vous êtes conscient que c'est de la prostitution? Ah, ben, je suis bien d'accord avec vous. Enfin, vous êtes sûr que c'est vraiment sain de payer l'amant de sa femme? C'est pas son amant. Vous appelez ça comment, vous? Un psy. Un psy? Deux ans que ma femme vient vous voir. Et vous lui mettez dans la tête de se barrer. Christelle Fabre, vous voyez? Une belle blonde, grande. Oui, oui, je vois. Eh ben, c'est ma femme. Enfin, ex-femme maintenant, grâce à vous. D'où l'envie de vous faire péter une grenade dans la gueule. Alors, on va en rester là pour aujourd'hui, hein. Alors moi, je suis content parce qu'on a bien avancé, là. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous aiguiller vers un confrère, parce que je vais pas pouvoir prendre en thérapie deux membres d'une même famille. Restez assis! Ok, mais pas de gestes brusques, hein. Vous avez foutu la merde dans mon cou. Non, je crois pas que l'on puisse... Alors vous allez réparer vos conneries! D'accord, mais il faut rester calme. Ah, mais je suis parfaitement calme. Bah, c'est bien, parce que moi, je suis de votre côté, moi. Non, pas exactement, non. Vous avez fait partir ma femme. D'ailleurs, vous allez la faire revenir. Sinon, je fais tout péter, moi. Non, on va s'en occuper, votre femme va revenir. Vous allez vous remettre ensemble. Mais pour ça, préalablement, vous devez me laisser vous aider. Non, je vais vous donner un petit quelque chose. Vous allez voir, c'est très léger, ça ne fera rien. Hein. Non, faut arrêter de me parler comme un débile. Hein. Vous n'allez pas me défoncer avec vos médocs, là. Non, mais vous savez, un comprimé, vous pouvez voir ça comme un outil, hein, pour vous permettre d'avancer vers la solution. Hein. Vous savez quoi? Je vais vous en donner 3 d'un coup, comme ça on va aller 3 fois plus vite vers la solution. Je vais rien rendre du tout. Ok. J'ai tout ce qu'il faut, je suis parfaitement à l'aise. Alors la solution, on va la trouver ensemble. Vous et moi. Moi, je vais vous aider. Je vais faire quelque chose pour vous, mais vous, il faut que vous fassiez quelque chose pour moi. Mm. Ce que vous allez faire pour moi, c'est que vous allez délicatement poser cette grenade sur le bureau, comme ça, il n'y aura plus cette barrière entre nous. Ouais. Barrière? Bah oui, vous, moi, la grenade, vous n'avez pas envie de blesser quelqu'un? Ah, blesser, c'est pas le terme exact, hein. Blessé, c'est avec un canif ou du verre cassé. Ça, c'est une grenade. On est plus sur de la façade éventrée, des vitrines soufflées, vous voyez. C'est le cran un peu au-dessus, quoi. Donnez-la à moi, vous allez vous sentir beaucoup mieux après, vous allez voir. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez l'air tendu, là. Oui, c'est pas impossible. Il se trouve que j'ai pas l'habitude de négocier avec un... Un quoi? Un fou? Non, j'ai pas dit ça. Un dingue, un cinglé, non, un... certainement pas, en plus, c'est pas des termes que j'emploie, non. Je suis pas un forcené, hein. Non, bien sûr. Bon, d'accord, j'ai une grenade, mais... Oui, mais ça, c'est pas grave, ça, c'est... Je suis juste un homme malheureux que sa femme a quitté à cause d'un psy, là. Putain, c'est bien. Détendez-vous. Laissez s'exprimer votre chagrin, c'est bien. Oh, posez ça. Non, mais vous savez, le thérapeute, hein, il n'intervient pas du tout dans les décisions de ses patients. C'est avant tout une écoute, une façon de décrypter le ressenti. Vous ne l'avez pas dit de prendre du recul? Non. De faire un bilan de ses émotions? Non plus, j'ai pas... De lister les obstacles qui empêchaient son... Épanouissement? Ouais. Non. Mais prenez pas pour un con! Parce qu'elle me l'a ressorti, votre blabla, quand elle m'a annoncé qu'elle se barrait. La thérapie de votre femme ne tourne pas autour de vous, monsieur. Bon, et ça suffit les conneries, hein. Ma femme, ouais. Elle était avec moi. Oui. Elle vient vous voir, elle est plus avec moi. Oui. Cherchez le connard. Ah oui. Non, mais si une radio vous annonce une maladie, hein, c'est pas de la faute du radiologue. J'ai pas compris.
Si une lettre vous apporte une mauvaise nouvelle, c'est pas de la faute du postier. Bon, ma femme, elle était avec moi. Oui. Elle vient vous voir, elle est plus avec moi. Cherchez le connard. Non, mais si à la boulangerie, il n'y a plus de croissance, c'est pas de la faute de la boulangère. Ben, si. Oui, enfin, ça, c'est un mauvais exemple. Si une radio vous apporte une maladie, c'est pas de la faute. Bon, stop, vous l'avez fait partir, un point, c'est tout. Je sais. Non, vous êtes en train de faire un transfert. Alors, c'est un processus bien connu, hein, c'est-à-dire que vous projetez à tort des intentions sur moi, vous comprenez? Ah oui, je comprends. Mais c'est pas ça. Vous menacez d'une grenade un homme que vous ne connaissez pas, et vous voulez comme par magie que votre femme revienne. Vous l'avez fait partir, vous la faites revenir. Je l'ai pas fait partir, je prends jamais position avec mes patients. Mon cul, ouais. Vous l'avez dit ou vous l'avez pas dit, de prendre du recul? Oui, ça c'est possible, mais ça c'est une phrase neutre, ça n'influence rien. Bon, stop, ça suffit les conneries, hein. Quand vous dites prenez du recul, vous parlez pas de sa chaise qu'il faut reculer de 10 ou 15 centimètres. Faut être précis. Ouais. Vous savez qu'elle se demande si elle doit rester avec moi. Ouais. Donc si vous lui dites prenez du recul, vous dites reculez d'avec votre mari. Hein? Et si vous dites ne touchez à rien, ça veut dire restez avec votre mari. Hein? Ah, dis donc. C'est mon patient 12h30, je vais dire que je peux pas le recevoir. Non, au contraire, ça va paraître fou, ça. Vous avez qu'à le recevoir. Quoi, vous voulez que je fasse la séance quand même? Ah oui. À portée de grenade? Ah oui. Mais qu'est-ce qu'on va lui dire pour vous? Rien du tout, je me cache là-dedans. Mais non, pas le placard. Oui, c'est cliché, mais efficace, hein. Bon. Et je vous préviens, j'entends tout, hein. Si vous jouez au con, je fais tout péter.